Alléluia, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et bienvenue sur cette émission, sur ce direct. Le but de cette émission est de pouvoir faire un direct à 2h du matin pour l'heure française, mais pour vous, chers Canadiens, chers Américains, chers Antillais, il est actuellement, je crois, 20h. Ok, donc voilà, nous sommes en direct et si vous êtes parisien, que vous êtes connecté, que demain vous ne travaillez pas ou que vous êtes en vacances et que vous souhaitez assister à ce live, vous faites bien également. Ok, le thème de cette émission ce soir, c'est lorsque la forêt prend feu. Avant de commencer, je vais également me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous êtes tombés sur cette vidéo en direct et vous vous demandez mais pourquoi est-ce qu'il y a un monsieur habillé en costume avec un fond vert, avec une forêt, c'est quoi EVTV Live? Pourquoi est-ce qu'il y a des lumières un peu orangées sur les côtés? Je vais me présenter, je suis le frère Julien Fab, ok? Et je suis l'animateur de cette émission que nous allons passer ensemble pendant une bonne heure trente ensemble, peut-être même deux heures. On verra comment le Seigneur nous conduit, ok? Mais ce soir, on va parler d'un thème très important. Je ne suis pas professeur des écoles, je ne vais pas parler d'un cours de physique-chimie, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est la forêt, ce qu'est le feu, même si on va redéfinir ces notions-là, mais on va parler de la parole de Dieu ce soir. Nous sommes sur une émission chrétienne, une chaîne télévisée chrétienne, une web TV chrétienne, et nous allons parler de la parole de Dieu. Ok ? Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la forêt, le feu et Dieu ? Justement, si vous vous posez cette question, vous avez raison et je vous demanderai de rester connecté pour suivre ce qui va être dit ce soir parce que je crois que vous allez être béni. Ok, je crois que vous allez être béni et je pense que ce que je vais vous dire va vous intéresser et peut également totalement changer votre vie. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes nombreux sur le chat, mais on peut être encore plus nombreux que ça. Ok, donc je vais vous demander de pouvoir partager dès maintenant. Ok, nous allons commencer notre émission dans quelques secondes, quelques minutes, mais je vous demanderai de bien vouloir partager. Nous sommes dans une émission interactive et je vois tous vos messages. Amen. Et je pourrai également répondre à vos questions si vous en avez. Ok, donc gloire à Dieu, je vous invite dès maintenant à prendre une capture d'écran, ce qu'on appelle un screenshot. Et vous allez poster cette capture d'écran sur tous vos réseaux sociaux. Ok, vous pouvez partager sur Instagram, sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, où vous voulez. Mais il faut qu'on soit plus nombreux que ça à entendre parler de la parole de Dieu ce soir. Amen. Donc, je vous invite dès maintenant à faire une capture d'écran. Je vais essayer de sourire, ok? Même si j'aime beaucoup sourire, ok? Vous allez faire une capture d'écran dès maintenant. Et ensuite, vous allez partager cette capture d'écran partout en mettant également le lien de la vidéo de cette émission en direct. Ok, donc je vais taper la pause et maintenant, vous allez faire un screenshot, une capture d'écran. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez dès à présent partager cette capture d'écran avec le lien de cette émission à vos amis, à toutes les personnes qui ont besoin d'entendre parler de ce message. Vous me dites peut-être, mais c'est quoi le message? On parle de feu, de forêt, c'est quoi le rapport justement? On va parler d'un feu qui est dans la parole de Dieu et on va également redéfinir ce qu'est la forêt et je vais vous expliquer quel est le message, quel est ce message, etc. Alléluia! Sans oublier, sans plus tarder, j'aimerais honorer toute l'équipe d'Évangile TV, la direction, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Vous pouvez acclamer pour sa vie, pour cet homme de Dieu, amen, pour le dirigeant de cette chaîne télé, amen. On peut également acclamer et honorer la ministre Sabrina et j'aimerais que vous puissiez honorer et acclamer toute l'équipe technique qui fait un travail monstrueux pour vous. J'aimerais que nous puissions honorer les graphistes, j'aimerais que nous puissions honorer les maquilleuses, toutes les personnes qui sont à la technique, qui gèrent les caméras, qui gèrent le son, toutes les personnes qui gèrent même le planning de programmation de cette chaîne Évangile TV. Et j'aimerais que nous puissions honorer et acclamer toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre et qui font un travail formidable. Alléluia. Et sans plus tarder, j'aimerais honorer mon meilleur ami, celui qui me permet d'être là ce soir, qui me permet de vous parler et de vous édifier. J'aimerais que nous puissions honorer le roi des rois, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Là où tu es, tu peux acclamer dès maintenant, tu peux acclamer pour Jésus, tu peux acclamer le Saint-Esprit parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il est connecté. Nous ne sommes peut-être pas réunis dans un même lieu. Vous n'êtes peut-être pas avec moi sur ce plateau, mais je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit est là et il siège au milieu de nous. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit de ma bouche ce soir, le Saint-Esprit aimerait m'utiliser pour vous parler et pour vous bénir.
Vous vous demandez peut-être, mais qui est ce Saint-Esprit dont il parle? On va en parler ce soir, ok? On va en parler. On va parler du Saint-Esprit, on va parler de Dieu. Et j'aimerais également répondre à toutes vos questions quand vous en aurez dans quelques instants, ok? À la fin de cette émission. Ok, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Ferme tes yeux et j'aimerais t'inviter à prier avec moi, à demander à Dieu ce que tu attends de lui. Peut-être que tu n'attends rien de Dieu ce soir, mais je vais prier pour toi parce que tu vas quand même recevoir. Même si tu n'attends rien de Dieu, Dieu aimerait te parler et Dieu aimerait te communiquer quelque chose ce soir. Donc, je vais juste t'inviter à fermer tes yeux et à prier. Je vais prier pour toi et la seule chose que je vais te demander, c'est de rester connecté durant toute cette émission. Alléluia. Tu peux commencer à prier. Commence à prier. Prie avec moi. Alléluia. Risa brashaman de ketelia bosa. Alléluia. Merci Jésus. Je te bénis et je te rends grâce, papa. Je viens prier ce soir afin que ton onction puisse véritablement se déverser. Je déclare que tu renouvelles notre intelligence ce soir et que tu illumines les yeux de notre cœur afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté et que nous puissions comprendre davantage ta parole et aller plus loin dans les Écritures. Je viens prier pour toutes les personnes qui sont connectées maintenant et je déclare que leur cœur sont disposés à recevoir ta parole dans une bonne terre, dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier maintenant pour toutes les personnes qui ne sont pas connectées, mais qui se connecteront dans quelques instants. Je prie également afin que l'algorithme YouTube puisse présenter cette vidéo à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Je viens prier pour toutes les personnes qui sont au Canada, qui sont aux Antilles, qui sont sur le continent américain, qui sont actuellement en direct. Et je prie pour toutes ces personnes afin que le feu du Saint-Esprit puisse les toucher ce soir et qu'ils puissent être totalement remplis de ton esprit afin qu'ils puissent parler un langage de feu, afin que par leurs ailes, que par leur feu, que la terre entière puisse véritablement reconnaître que tu es Dieu. Nous allons parler de toi ce soir, Saint-Esprit. Et alors que nous parlons de toi, je crois que ton esprit est en train de se mouvoir. Je crois que ton esprit est en train de toucher les cœurs. Tu localises maintenant toutes les personnes qui sont connectées en direct. Et je déclare que quel que soit le problème qu'ils ont, le problème est pourvu ce soir dans le nom de Jésus. Quelle que soit la douleur dans les corps, alors que je vais parler de toi ce soir, les douleurs partiront, les maladies partiront et la guérison prend sa place. Le prophétique prend sa place ce soir. Merci Seigneur, parce que tu donnes des paroles qui viennent réconforter leur vie, qui viennent réconforter leur foi. Tu donnes des paroles qui leur permettent de se relever. Tu leur donnes des paroles qui leur permettent d'être boostés dans leur vie et dans leur marche avec toi. Je prie également pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, et qui sont connectées à ce live. Et je déclare qu'à la fin de ce live, ils prendront l'une des meilleures décisions qu'ils soient. Et je déclare que alors que nous parlons de toi, alors que nous parlons de feu, de forêt, alors que nous parlons de la parole de Dieu, je déclare que toute personne qui ne te connaît pas, au travers de ce live, va te rencontrer et tu te révèles à toutes ces personnes, Saint-Esprit. Merci pour ce merveilleux live que nous passons dans ta présence. Parce qu'alors que nous parlons de ta présence, nous pouvons ressentir ta présence sur ce plateau. Nous pouvons ressentir ta présence sur ce direct. Je prie pour toutes les personnes qui se connectent et qui se sont connectées entre-temps. Et je déclare que dès qu'ils entendent ce live, dès qu'ils entendent ma voix, dès qu'ils se connectent à ce live, la plénitude du Saint-Esprit vient envahir le lieu dans lequel ils se trouvent. Je déclare que l'onction de Dieu se manifeste puissamment dans leur maison maintenant, dans leur voiture maintenant, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Je déclare que l'onction de Dieu les localise et que la puissance de Dieu descend maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous remettons ce live entre tes mains, Saint-Esprit, et nous croyons que tu nous parles, nous croyons que ta présence nous fait du bien, nous croyons que tu es là, et nous croyons qu'un feu se déverse dans nos vies et se déverse dans la vie de toutes les personnes qui se connectent à cette merveilleuse émission et ce merveilleux direct, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous avons juste prié rapidement. Et si vous êtes toujours connecté et vous faites bien, et si vous nous avez même rejoint entre-temps, je vais vous inviter à écouter attentivement ce qui va être dit ce soir. Je vais parler de la forêt, je vais parler du feu, et je veux surtout parler de ce moment où, lorsqu'une forêt prend feu. J'aimerais expliquer ce titre, ok, le titre de mon message, et j'aimerais également définir ce qu'est la forêt, ce qu'est le feu. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous voyons une magnifique forêt, n'est-ce pas? Et une forêt, c'est un lieu dans lequel il y a beaucoup de végétation, il y a énormément de forêts sur Terre et les forêts sont extrêmement importantes pour
la respiration des hommes. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez à l'école, les forêts sont bénéfiques pour que l'homme puisse vivre sur terre. Ok ? Comprenez une chose. Dans tout ce que Dieu a fait, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Même les déserts ont un rôle à jouer sur les océans, sur les eaux, et même les forêts ont un rôle à jouer. Même les animaux que Dieu a créés, tout ce que Dieu a créé, Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Et chaque chose a sa place. J'ai appris récemment que l'un des seuls, on va parler des insectes, les moustiques n'apportent rien à l'écosystème. L'écosystème, c'est ce qui permet, j'ai envie de dire, que la terre puisse prospérer. En fait, il y a une unité de telle manière à ce que tous les animaux, toutes les plantes, la végétation, etc. permettent à ce que l'homme puisse vivre, que la terre soit un endroit habitable pour l'homme. Ok ? Et les moustiques n'apportent rien à l'écosystème, soit dit en passant. Mais ça, c'est une petite blague. Ok ? Et c'est vrai d'ailleurs, vous pourrez aller vérifier. Très bien, nous allons parler maintenant du feu. Nous allons définir ce qu'est le feu. Le feu, c'est une combustion qui dégage de la chaleur et de la lumière. Très bien. Vous pouvez également remarquez que lorsqu'on parle de feu, vous avez peut-être appris ça à l'école et c'est un petit cours de physique, okay, de chimie. Le feu, c'est une association de trois éléments. Et l'association de ces trois éléments permet une combustion. Le premier élément, c'est le combustible. C'est la substance qui est en train de brûler. Le deuxième élément, c'est le comburant, la substance qui entretient la combustion. Et généralement, vous allez remarquer que principalement, on parle de dioxygène de O2. Ok, très bien. Et le troisième élément qui permet la combustion, c'est l'énergie d'activation. En fait, pour qu'il y ait un feu quelque part, il faut que ces trois éléments s'associent. Et en fonction de la température, de l'énergie d'activation de la combustion en question, il faut que la température soit suffisamment élevée pour que le point d'ignition soit atteint. C'est peut-être du chinois pour vous, mais on va définir ça simplement, ok ? Pour comprendre, pour qu'il y ait un feu, pour qu'un feu se propage, il faut que ces trois éléments-là soient réunis. Et on parle même du triangle de feu, vous avez peut-être appris ça à l'école. Mais on va prendre le feu, la forêt, pour définir ce thème, ce titre, et parler de la parole de Dieu, pour faire un parallèle avec nos vies et avec la parole de Dieu. Ok ? Je vais vous expliquer le titre maintenant. Lorsque je parle du fait que la forêt prenne feu, je suis en train de donner une image pour illustrer l'évangélisation et illustrer ce que l'évangile fait dans la vie d'un individu. Vous devez comprendre une chose. Jean-Baptiste a baptisé d'eau et il a dit, ok, vous pouvez lire ça dans la Bible, il a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi et celui qui viendra après moi baptisera de feu. Ok ? Et on va pendant tout ce temps que nous avons ensemble ce soir, parler justement de la forêt du feu, parler de nos vies, parler de l'évangélisation, parler du Saint-Esprit. Ok ? Je vais essayer de ralentir la cadence un petit peu pour que vous puissiez prendre des notes et comprendre exactement ce que j'aimerais vous dire et ce que j'aimerais vous faire passer comme message. Ok ? La forêt, ce sont les hommes. Amen. La forêt, ce sont les hommes. Et la Bible parle également dans Psaume ou Proverbe, je crois, que celui, en fait, un homme est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Même lorsque Jésus parle de la parabole du semeur, il nous explique qu'il y a un semeur qui prend des graines et qui part semer. Okay? Et Jésus nous explique dans cette parabole-là, okay, qui selon lui est la plus simple, et si nous ne comprenons pas cette parabole, nous ne pouvons pas comprendre les autres paraboles que Jésus a enseignées. Et Jésus explique dans cette parabole qu'il y a un monsieur qui part pour semer. Et il se retrouve confronté à quatre types de terres. Ok ? Et en fonction des terres, la parole, la graine, va porter plus ou moins de fruits. Jésus parle de la terre qui est semblable au long du chemin. Jésus va également parler de la terre rocailleuse et Jésus va également parler de la terre qui a des racines. Et Jésus parle également de la quatrième terre qui est la bonne terre. Jésus explique que lorsque la parole de Dieu tombe dans une bonne terre, la parole de Dieu peut porter du fruit. Très bien. Vous devez comprendre que lorsqu'un agriculteur sème, ok, des graines, il veut planter des carottes, des choux, peu importe. Ce qu'il veut planter, avant de planter, il doit d'abord travailler le terrain, cultiver le terrain pour que sa semence puisse porter du fruit. Si j'ai envie de dire, vous voulez planter un manguier sur du goudron, ça ne va jamais pousser. Parce que pour que le manguier puisse pousser, il faut qu'il soit planté dans une bonne terre. Très bien. Donc si Jésus fait ce parallèle entre le type de terre
et le fait qu'un arbre doit pousser, j'aimerais également faire ce parallèle entre la forêt et les êtres humains. Ok ? La forêt et les êtres humains. Que symbolise le feu ? Le feu peut symboliser l'évangélisation, mais le feu symbolise également la puissance de Dieu et il peut être l'un des symboles du Saint-Esprit. Amen. Le feu peut être l'un des symboles du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions ouvrir et lire nos Bibles dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 29. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 29. Si on peut également m'afficher ce verset, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 29. J'y suis. OK ? Donc Hébreux 12, 29. Gloire à Dieu. On va lire même à partir du verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. OK ? Avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Très bien. J'aimerais parler du feu de Dieu maintenant et nous allons parler du feu de Dieu et de ce qu'on appelle le feu étranger. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 29 que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant, ça signifie que Dieu est un feu, mais on parle également de ce feu-là comme étant un feu qui consume et qui dévore. Vous allez me poser cette question et me dire, mais Julien, pourquoi est-ce que si Dieu est un feu dévorant, qu'est-ce que Dieu vient dévorer? Qu'est-ce que Dieu vient consumer? On va en parler rapidement. OK? Lorsqu'on parle du feu de Dieu, comme je vous ai dit, on parle de la puissance de Dieu. Si nous parlons de Dieu comme étant un feu dévorant, lorsque le feu de Dieu rentre dans la vie d'une personne, ce feu vient dévorer et consumer tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans la vie de cet individu. Amen. Dieu vient dans ta vie comme un feu, et s'il vient dans ta vie comme un feu, il vient consumer et enlever tout ce qui n'est pas bon. En d'autres termes, Dieu vient consumer et dévorer le péché. OK ? Il vient enlever le péché. Lorsqu'on voit un feu, on voit une combustion, on voit également des fumées, n'est-ce pas ? Et on voit que certains matériaux vont, j'ai envie de dire, brûler à cause du feu. Il y a certains matériaux qui ne brûlent pas à cause du feu. Mais lorsqu'on parle de la chair brûle en étant en contact avec le feu. Plus tu vas être en contact avec le feu du Saint-Esprit, plus tout ce qui est charnel en toi va être brûlé et consumé par ce feu-là. Amen. Très bien. Nous allons continuer maintenant et parler rapidement des feux étrangers. Si il y a le feu de Dieu, comprenez qu'il y a également d'autres feux. Il y a également un feu naturel, OK, dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a quelques instants. Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'un feu qui est spirituel. Et on va principalement parler du feu de Dieu. Si Dieu a son feu, le diable imite tout ce que Dieu fait. Donc le diable vient également amener son feu à lui. Et la Bible va également parler de ce qu'on appelle le feu étranger. Le but du diable, c'est que dans nos vies, nous perdions le feu de Dieu. Et comment est-ce que le diable s'y prend pour permettre aux chrétiens de perdre le feu ? Le diable essaye de faire perdre le feu aux chrétiens, de faire perdre la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens en ramenant ce qu'on appelle des feux étrangers. OK ? Le diable aussi a son feu. Et il va essayer de ramener des feux étrangers dans ta vie pour que le feu de Dieu puisse diminuer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le feu de Dieu est supérieur à tout feu étranger. Le feu de Dieu est le feu le plus puissant. Alléluia ! Amen ! Très bien, nous allons maintenant lire Jérémie chapitre 20, verset 9. On ne va pas le lire, mais je vais juste le citer rapidement. Et Jérémie va parler ici dans ce passage, il va dire « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant que je ne peux contenir. » Amen. Jérémie va dire « Il y a dans mon cœur un feu dévorant que je ne peux contenir. » Lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans la vie d'une personne, cette personne est désormais baptisée du feu de l'Esprit. Et vous allez ressentir comme un feu qui vous anime. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle parce qu'on va prier pour vous tout à l'heure et le feu de Dieu va descendre dans votre vie, du moins si vous le souhaitez. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui ne le veut pas dans sa vie. Je vais redire. Le Saint-Esprit, Dieu, est un gentleman. Ce qui signifie que le Saint-Esprit ne viendra pas s'inviter dans ta vie si tu ne l'as pas invité. Jésus est venu sur terre et on va parler de Jésus tout à l'heure. OK ? Jésus est mort pour l'humanité. La Bible va dire dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour tout homme. Et dans la mort et la résurrection de Jésus, il y a une puissance. Et on va en parler tout à l'heure. Amen. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que pour bénéficier de l'héritage que Jésus nous donne, cet héritage n'est pas accessible à tous. L'héritage, ce sont les fils et les enfants, même pas les enfants, les fils qui en prennent possession. Pour prendre, lorsque vos parents partiront un jour, ok, et j'espère que ce soit le plus tard possible, ok, lorsque vos parents partiront un jour ou lorsque des parents partent, ils cèdent un héritage aux enfants, aux fils, ok. Ce ne sont pas tous les êtres humains qui peuvent bénéficier de l'héritage de Dieu. Seulement ceux qui deviennent enfants de Dieu, qui deviennent fils ou filles de Dieu. Et on va en parler tout à l'heure parce que ça a un lien étroit avec le feu de Dieu. Ok, donc rapidement, on va revenir à notre titre et on va expliquer quelles sont les causes du feu dans une forêt. Ok, là on va parler naturellement parlant, mais on va également faire un parallèle avec tout ce qui est spirituel. Ok, les causes du feu dans une forêt. Ok, à chaque fois qu'une forêt brûle, ce ne sont pas 300 arbres de la forêt qui brûlent en même temps. Il y a un point de départ. Ok, et du pays dans lequel je suis originaire, d'où je suis originaire, le Portugal, c'est un très petit pays. Mais à chaque fois que je vais dans ce pays, je me rends compte que tous les étés, il y a énormément de feux. C'est un pays qui brûle énormément parce qu'il y a énormément de forêts. Et il y a plusieurs causes, il y a plusieurs théories à la propagation des feux dans une forêt. La première cause peut être naturelle. Il peut arriver parfois que quand une personne jette une bouteille dans un... comment dire? Une bouteille en verre dans une forêt, avec la réflexion du soleil, ça peut, voilà, causer un feu. C'est possible. Par exemple, si vous prenez une loupe avec le soleil, vous mettez sur une feuille, la feuille peut prendre feu. Ok? Parce qu'il y a... ça, c'est possible. Ok? C'est possible. C'est une des causes. Très bien. Une cause naturelle. Ok? Parfois même, lorsqu'il y a une tempête, un orage, l'éclair, la foudre qui tombe peut également causer, propager un feu de forêt. Ok? Et lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il y a des étés caniculaires, les feux de forêt se déclenchent plus facilement. Mais on va également parler des causes qui ne sont pas naturelles lorsque quelqu'un met feu aux forêts. Parce qu'il y a parfois des personnes qui sont qualifiées de pyromanes, qui sont malades, on peut dire ça comme ça, et qui aiment mettre le feu aux forêts. Donc ils vont jeter des clopes, ils vont prendre des mégots de cigarettes ou ils vont prendre une allumette ou je ne sais trop quoi et ils vont mettre le feu aux forêts. Parfois, ça peut également être économique. Il y a des personnes qui disent que certaines personnes mettent le feu aux forêts parce qu'après un feu de forêt, les terres sont plus productives et ça peut même être économique, ok? Ça peut être économique dans le sens où si tu as un business, tu mets le feu à une forêt parce que peut-être qu'après, par rapport au bois, voilà. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ça peut être naturel ou ça peut être intentionnel. Ok? Très bien. Nous allons maintenant parler de Jésus avec les disciples. Amen. Parce que Jésus a mis un feu et Jésus a baptisé de feu, n'est-ce pas? Mais ce feu-là n'était pas accidentel. Jésus savait ce qu'il faisait. Amen. Et on va lire la parole de Dieu maintenant. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Dès le chapitre 3, à partir du verset 11, je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi et à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu, dès le chapitre 3, à partir du verset 11. Amen. Et on va lire ce passage, j'en ai rapidement parlé il y a quelques instants, où on parle du ministère de Jean-Baptiste. Amen. Moi, c'est Jean-Baptiste qui parle ici, je lis la parole de Dieu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste est venu, il a baptisé d'eau. Et Jean-Baptiste a également baptisé Jésus-Christ. Ok? Mais Jean-Baptiste parle ici de Jésus qui vient après lui. Et il explique que celui qui vient après lui est plus grand que lui. Et Jean-Baptiste explique ici que Jésus vient pour baptiser du Saint-Esprit et vient pour baptiser de feu. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'évangile, ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre pour allumer le plus grand brasier et le plus grand feu qui soit de toute l'histoire de l'humanité. Lorsque l'évangile est proclamé, le but de l'évangile, c'est de transformer la vie de toute personne qui entend la parole de Dieu.
Mais le but de cette transformation, c'est pas juste que ta vie change à toi, même si le plan de Dieu, c'est que ta vie soit meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que ta vie s'améliore et qu'elle aille de mieux en mieux. Tu vas me dire, oui, mais moi, Julien, tout va très bien dans ma vie. Je n'ai pas de problème d'argent. J'ai une famille qui m'aime, j'ai une femme qui m'aime, j'ai un mari qui m'aime, j'ai des enfants, j'ai une très belle voiture, j'ai un 4x4, j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai un très bon salaire. Très bien. Mais il y a une chose que tu as besoin que tu n'as peut-être pas encore aujourd'hui. Cette chose-là, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu as ne te servira à rien. Écoute-moi bien, tu vas vivre un certain temps sur cette terre. Après quoi, tu vas te retrouver devant Dieu. Tu peux avoir la plus belle des femmes qui soit, le plus beau des maris qui soit. Tu peux rouler dans la plus belle des voitures, tu peux avoir énormément d'argent sur ton compte en banque. Mais la Bible nous dit que les choses invisibles sont éternelles, contrairement aux choses visibles qui, elles, sont passagères. Tu peux investir dans la connaissance, aller loin dans les études, avoir des masters, des doctorats, créer des entreprises. Mais si tu crées des entreprises, si tu as beaucoup d'argent, si tu as une famille, mais que tu n'as pas Jésus, tout ce que tu le fais pour rien. Parce que Jésus peut te donner un amour qu'aucune personne, aucune chose sur terre ne pourra te donner. Amen. Jésus peut te donner ce que tu as besoin. Il y a cette phrase que vous connaissez peut-être, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà entendue. L'homme a dans son cœur un vide en forme de Dieu. Tu peux tout avoir, mais les hommes, les femmes pourront te décevoir un jour. Tu peux tout avoir, mais ce que tu as, c'est passager. Alors qu'un jour, tu vas te retrouver devant Dieu. Et durant toute une éternité, on parle d'éternité, il n'y a pas de fin. Durant toute une éternité, tu te retrouveras quelque part. Peut-être que tu ne crois pas en ce que je dis. Beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas certaines choses que ces choses n'existent pas. À l'heure où je vous parle, il y a des personnes qui sont dans la régie, qui sont en train de gérer les caméras, qui sont en train de m'écouter. Ces personnes, vous ne les voyez pas, pourtant elles existent. Les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont des ondes. Personne n'arrive à voir une onde. Pourtant, de la parole d'un homme, vous pouvez causer beaucoup de dégâts. Est-ce que vous savez que de la parole d'une personne, une guerre peut être déclenchée ? Une guerre peut être déclenchée. Si Emmanuel Macron prend la parole demain, il insulte Poutine ou je ne sais trop quoi, une guerre peut se déclencher. Juste à cause d'une parole. Pourtant, la parole, j'ai envie de dire, vous ne voyez pas physiquement ce qui sort de la bouche d'un individu, excepté peut-être quelques postillons. On parle d'ondes, on parle de choses invisibles, on parle de fréquences. Pourtant, les fréquences, la musique, on va parler de la musique. Qui voit la musique ? À longueur de journée, on prend nos écouteurs. Il y a des sons qui sont émis de la bouche des gens. Il y a des personnes qui chantent. Il y a des personnes qui jouent d'un instrument. Mais qui peut dire, moi, je vois les notes de musique ? Excepté sur une partition. Qui peut prétendre écouter la musique ? Enfin, vous pouvez prétendre écouter la musique, mais qui peut prétendre voir la musique ? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la musique que la musique n'existe pas. Parce que vous pouvez l'entendre. Amen. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Dieu que Dieu n'existe pas. Dieu est bel et bien réel. Mais pour voir Dieu, il ne faut pas ouvrir des yeux naturels et physiques, il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Amen. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Très bien. Donc pour en revenir à ce passage, Jésus est celui qui baptise de feu. Nous allons maintenant aller un petit peu plus loin dans notre Bible et nous allons ouvrir Marc chapitre 16. Nous allons aller dans l'évangile de Marc chapitre 16 à partir du verset 9. Amen. Marc 16, 9. On va rapidement parler de Jésus. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, on va rapidement parler de Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, Jésus est venu sur terre pour changer radicalement la condition de l'homme. Jésus n'était pas un noble. Jésus n'était pas un simple homme ordinaire. Je vous assure. Lorsque vous voyez la vie de Jésus, la vie de Jésus était remplie de miracles. Jésus faisait énormément de miracles. Et avant de mourir sur la croix, Jésus avait expliqué aux disciples, même aux pharisiens qui étaient là, qui l'écoutaient, qu'il allait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Beaucoup de pharisiens ont dit à Jésus, mais c'est un fou. Comment est-ce que ce temple qui a pris des siècles, des années à être construit, lui, va le détruire et le reconstruire en un jour ? Jésus parlait du temple du Saint-Esprit, il parlait de nos corps. Amen.
Mais lorsqu'on parle de Jésus, beaucoup ne réalisent pas, mais est-ce que Jésus est le Fils de Dieu ou non? On va lire ce passage-là. Amen. On va lire Marc 16. Et j'aimerais que nous puissions lire dès le verset 1. On va lire tout le chapitre. Résurrection et ascension de Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé. Ok? Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ok? Jésus était mort, il se trouvait dans le tombeau. Très bien. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, pardon, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. On va s'arrêter quelques secondes, quelques instants. En fait, pour vous expliquer rapidement l'histoire de Jésus, avant de mourir sur la croix, Jésus l'avait dit aux disciples. Il avait même dit aux disciples, parmi vous, il y en a un à cette table qui va me trahir. Ok? Et c'était Judas. Très bien. Jésus avait dit qu'il allait mourir sur la croix et qu'il allait revenir à la vie. Comme Jésus faisait beaucoup de troubles, les Romains et les Juifs à l'époque se sont dit, il faut qu'on le tue. On va le crucifier. Ils ont forcé Jésus à porter sa croix. Ils l'ont amené à Golgotha. Il a porté sa croix. Ils l'ont cloué sur une croix et l'ont crucifié. Pour être sûr que Jésus était bien mort, un soldat romain a pris une lance. Il a transpercé les côtes de Jésus. Et ils ont remarqué que de l'eau est sortie du corps de Jésus. Ils ont vérifié que Jésus était bien mort parce que si Jésus n'était pas mort et qu'il s'enfuyait, les soldats romains auraient été tués. Amen. Les soldats romains auraient été tués. Lorsque Jésus est descendu de la croix, il y a un homme qui a proposé qu'on enferme Jésus dans son tombeau parce qu'il savait que Jésus était le Messie et il ne voulait pas que Jésus se retrouve dans une fosse avec plein de personnes. Ok ? Ils ont accepté la requête de cet homme-là. Jésus s'est retrouvé dans un tombeau. Mais comme ils avaient entendu parler de Jésus, comme ils avaient entendu Jésus dire qu'il allait revenir à la vie, ils se sont dit, nous allons mettre une pierre énorme devant le tombeau de Jésus, de telle manière à ce que les disciples de Jésus ne puissent pas venir faire rouler la pierre et prendre le corps de Jésus pour dire qu'il est ressuscité. Ok ? La tombe de Jésus était gardée par des soldats romains. Amen. La tombe de Jésus était gardée par des soldats romains. Une pierre énorme. Mais vous devez comprendre une chose. C'est que cette pierre en question n'a pas empêché Jésus de revenir à la vie. Un ange est venu et a fait rouler cette pierre. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais Jésus l'avait prédit. Il l'avait dit aux disciples. Quand Jésus parlait de cela aux disciples, les disciples étaient avec Jésus, ils disaient oui, amen. Mais regardez bien, quand Jésus a apparu à Marie, aux deux femmes, la Bible nous dit qu'elles ont eu peur, n'est-ce pas ? On va continuer notre lecture. Verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Les disciples de Jésus étaient avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Ils ont vu Jésus faire des exploits, des prodiges, des miracles. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Jésus leur dit qu'il va revenir à la vie. Pourtant, lorsque Marie de Magdala leur dit qu'elle a vu Jésus et que Jésus est ressuscité, la Bible nous dit que les disciples n'ont pas cru.
les disciples étaient incrédules. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Attends, attends seulement, on a le temps. On a une heure et demie ensemble, attends seulement. Ok? Ok. Ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ok, très bien. Pour en revenir à ce que je disais, Jésus est en train de leur reprocher leur incrédulité. Pierre même qui a vécu avec Jésus, qui a pris son épée pour couper l'oreille de Malchus quand on est venu arrêter Jésus, ce même Pierre a renié trois fois Jésus. Lorsqu'on a crucifié Jésus, lorsqu'on est en train de le condamner, ok, Pierre était là, on a dit « mais je te reconnais, tu étais avec Jésus », il a dit « non, c'est pas vrai ». Il a renié trois fois Jésus. Alors que Pierre était prêt à tuer pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de la mort. Et ils avaient peur qu'on les arrête et qu'on leur fasse subir le même sort que Jésus. Très bien. On va continuer maintenant. On va finir sur cette partie de ce chapitre. Puis il leur dit « allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Très bien, je vais vous poser une question. Comment est-ce que des disciples à qui Jésus a montré tous les miracles qu'il a fait. Comment est-ce que ces disciples-là, à qui Jésus leur a dit qu'il allait mourir sur la croix et revenir à la vie le troisième jour, qu'il allait être ressuscité, ils ne croient point. Comment est-ce que ces disciples-là, qui étaient incrédules, Jésus leur demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et Jésus leur demande d'aller chasser les démons et d'aller guérir les malades et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour que l'humanité entière, toute la création, entende parler de Jésus. En fait, regardez, c'est comme si je dis à quelqu'un, est-ce que je vais faire ça? Et la personne ne me croit pas. Si la personne est incrédule et qu'elle ne me croit pas, pourquoi est-ce que je vais lui confier une tâche encore plus grande alors que je lui ai dit quelque chose, elle ne croit déjà pas? Ok? Si je vous donne rendez-vous à la gare de Lyon, si vous ne me croyez pas, vous n'allez jamais venir. Donc, je ne peux pas vous faire confiance parce que vous ne croyez pas en moi. Ok? Comment est-ce que Jésus va demander à ses disciples qui sont incrédules? Il va leur demander une responsabilité très importante et très grande. Il leur demande de partir de Jérusalem et de faire le tour du monde pour parler de lui. En fait, il s'est passé quelque chose entre la première partie du chapitre et la fin. Au départ, les disciples étaient incrédules, n'est-ce pas? Et Jésus leur a reproché leur incrédulité. Pourtant, au verset 15, Jésus leur confie une mission très importante. Mais pourquoi Jésus leur confie cette mission-là? C'est que quelque chose a changé entre la première partie du chapitre et le verset 20. Parce qu'au début, on voit qu'ils ont du mal à croire en Jésus. Après, au verset 20, on voit « ils s'en allèrent, prêchèrent partout le Seigneur, travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 15 et le verset 20 où on les voit partir et prêcher? Il s'est passé ce que Jésus avait prédit et ce que Jésus avait dit qu'il allait se passer. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles dans Actes 1-8 et dans Actes 2. Vous devez comprendre que de manière chronologique, entre ces deux temps-là, Actes 2 s'était passé. Et on va expliquer ce qu'est Actes 2 pour ceux qui ne connaissent pas. Amen, on va aller dans Actes 1-8 et dans Actes 2. Amen, je vais lire la parole du Seigneur. Amen, Actes 1-8, très bien. Jésus leur avait dit, je vais mourir, mais il faut que je meure et que je revienne à la vie et ensuite que je reparte pour vous donner mon esprit, pour vous baptiser de feu. Jésus leur avait dit, amen. Actes 1, 8. Ok, gloire à Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés, okay, vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient. D'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc Jésus leur fait une promesse. Ils se rassemblent, ils se réunissent. Ils commencent à prier. Ils prient. La Bible nous dit qu'ils étaient également environ 120. On va aller maintenant dans Acte 2. On va lire Acte 2 un petit peu plus loin, quelques versets plus loin à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Très bien, on va s'arrêter là. Et je vais expliquer rapidement ces passages que j'ai lus. Ok ? Nous avons vu que les disciples de Jésus étaient incrédules. Nous avons vu que Jésus leur avait dit qu'il allait revenir à la vie, qu'il allait mourir sur la croix et revenir, et qu'il fallait que Jésus parte pour leur donner le Saint-Esprit, une puissance. Amen. Les disciples ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Même en voyant Jésus, Thomas va dire, si je ne vois pas Jésus et que je ne mets pas les mains dans les stigmates du Christ, je ne croirai pas. Ok ? Jésus est parti. Amen. Et la Bible nous dit au verset 20, comme nous avons lu, ok ? Au verset 20, dans Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout la bonne nouvelle, etc. La Bible nous montre même dans Acte 2, au cas où acte 3, je crois, l'apôtre Pierre commence à parler, à prêcher la parole. 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ. Amen, en une prédication. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a totalement métamorphosé les disciples de Jésus, qui ont vu Jésus pendant des années? Le feu de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit. J'aimerais expliquer quelque chose. Lorsqu'un homme est en contact avec le feu de Dieu, vient totalement changer le caractère de cette personne. Si quelqu'un était timide, lorsqu'il est en contact avec le feu de Dieu et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui, lui, est rempli de courage, de force, communique sa force, communique son feu, communique son zèle, communique son amour. La question que je vous pose, c'est de quel esprit avez-vous donc été baptisé? De quel esprit avez-vous donc été baptisé? Le mot chrétien va avec puissance. On a appelé les chrétiens parce qu'ils faisaient comme Jésus. Mais faire comme Jésus, c'est quoi? C'est manifester la puissance. Si dans ta vie, la puissance de Dieu ne sort pas, ça signifie qu'il faut que les feux étrangers disparaissent pour que le feu de Dieu puisse consumer tout ce qu'il y a dans ta vie qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Alléluia. La visitation du Saint-Esprit a rempli d'audace et d'assurance tous les disciples de Jésus. Il y a eu un avant et un après. Comme j'ai l'habitude de dire, ok, la Bible que nous lisons, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau. Lorsque tu es en contact avec le feu de Dieu, il doit avoir un nouveau toi et un ancien.
la mise, comment je peux vous dire ça? La connexion entre le Saint-Esprit et toi doit totalement changer ta vie. Doit radicalement changer ta vie. Tu dois être métamorphosé, transformé, dès lors que tu rentres en contact avec le feu de Dieu. Lorsque le feu entre en contact avec quelque chose, nous avons vu tout à l'heure que le feu consume, n'est-ce pas? Le feu de Dieu va consumer tout ce qui n'est pas bon dans ta vie pour laisser la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Amen. Lorsque Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un individu, lorsque Jésus rentre en contact avec toi, ta vie change totalement. Amen. Et Dieu aimerait entrer en contact avec toi parce qu'il t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi. Amen. Écoute-moi bien. Peu importe ce que tu as, si tu acceptes Jésus dans ta vie, premièrement, tout ce que tu as, que tu l'aies ou pas, tu t'en fiches parce que tant que tu as Jésus, c'est ce qui compte. Mais quand tu acceptes Jésus, tout ce que tu avais, tu décides d'aimer Jésus plus que tout ce que tu as et tout ce que tu aimes. En faisant ça, Jésus va te donner bien plus que ce que tu as déjà. Il va même multiplier ce qu'il t'a déjà donné, ce que tu avais déjà auparavant, parce qu'il est Dieu et parce qu'il t'aime et parce qu'il veut le meilleur pour toi. Seulement pour faire ça, ça te demande de faire un pas de foi. Jésus est venu sur la terre pour toi. Mais toi, tu dois accepter que Jésus est venu sur la terre pour toi et tu dois faire un pas en avant vers lui. Amen. Pour entrer en contact avec le feu, il faut aller là où le feu se trouve. Amen. Pour entrer en contact avec le feu, nous avons vu que dans une forêt, lorsqu'une forêt prend feu, il y a toujours un point de départ. J'aimerais prophétiser et dire que dans ta famille, le point de départ du feu de Dieu, c'est toi. Amen. Tu es le point de contact qui va propager le feu dans ta famille, dans ton travail, dans tes études. Tu es le point de contact. Écoutez, pour que le feu se propage, il suffit juste qu'il y ait une étincelle et un feu quelque part. S'il y a un feu et une étincelle quelque part, cette étincelle et ce feu-là, quelle que soit la taille de la flamme, est suffisante pour mettre le feu à une forêt. Je suis en train de dire à quelqu'un que le feu que tu as reçu est suffisant pour permettre à tout un continent, tout un pays d'être sauvé et de rencontrer Jésus. Il suffit juste d'une seule personne. Amen. Jésus est venu sur terre rempli du feu de l'Esprit. Il a communiqué le feu autour de lui. Il a communiqué le feu aux disciples. Et telle une forêt, de par Jésus, de par les disciples, le feu s'est propagé dans tous les continents, de telle manière à ce qu'aujourd'hui sur terre, il y a des chrétiens dans tous les continents. Mais ça part de Jésus. Amen. Ça part de Jésus. Amen. Eux qui étaient lents à comprendre, eux qui étaient parfois charnels, lorsque le feu de Dieu est descendu dans leur vie, la chair a disparu. L'incrédulité a disparu. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu vas être en contact avec le feu de Dieu, tu vas croire aux promesses de Dieu. Tu vas croire que l'impossible peut devenir possible. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de l'impossible. Jésus nous a démontré, par tous les miracles qu'il a fait, que l'impossible n'existe pas dans le royaume de Dieu. On parle de possibilité. Amen. Et vous devez faire grandir votre foi. Ok? Quand on a arrêté Jésus, ils se sont retrouvés dans la crainte et dans la peur, n'est-ce pas? Pierre a même renié Jésus, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Son ami et son maître. Mais lorsque le surnaturel de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, cette personne change. Au point où on ne reconnaît même plus la personne. Lorsque je suis devenu chrétien à l'âge de 17 ans, lorsque j'étais en contact avec le feu, ma vie a tellement changé que les personnes autour de moi m'ont demandé « Mais comment tu as changé? Qu'est-ce qui a fait que tu changes ?» Et j'expliquais aux personnes qu'un homme ne peut pas changer autant de lui-même. Il n'y a que Dieu qui change une personne comme ça, à ce point. Si tu veux que ta vie change et que tu veux changer, qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ta vie, laisse-moi te dire que le feu de Dieu peut totalement changer ta vie et totalement faire de toi la personne que tu aimerais devenir. En fait, le feu de Dieu va faire en sorte que lorsqu'on te voit, on ne te voit plus toi, mais on voit Jésus. On voit Christ. On voit Christ. La Bible nous dit dans Apocalypse que des flammes de feu... En fait, que dans son regard, il y avait des flammes de feu. Lorsqu'on te voit, si tu es en feu, on ne verra plus qui tu es, mais on verra Jésus. Amen. Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais le feu illumine, le feu éclaire. Lorsqu'il fait nuit et qu'il y a un feu, vous voyez le feu se propager.
Il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es en feu pour Dieu et parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit, du feu de Dieu. Je te dis la vérité, les gens vont venir vers toi pour trouver la lumière que toi tu as trouvée. Amen. Alléluia. Ils étaient ensemble et ils faisaient la communion fraternelle. Et ils ont reçu pour aller exercer le ministère envers les autres. Le but du feu de Dieu dans ta vie, ce n'est pas juste pour toi, mais c'est également pour les autres. Dieu ne te baptise pas de feu juste pour toi, mais le but que tu sois baptisé du feu, c'est que le feu qui t'anime puisse se propager autour. Amen. Puisse se propager autour. Très bien. Et ici, nous allons voir dans 1 Timothée 2, du verset 1 à 6, que Dieu nous donne cette responsabilité-là de répandre le feu de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Propager l'évangile, c'est propager le feu de Dieu. Propager l'évangile, c'est propager la bonne nouvelle. Amen. Le feu de Dieu est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Alléluia. Nous allons également rapidement donner trois choses qui permettent, ou du moins deux choses qui permettent que le feu puisse davantage se propager. Lorsque vous mettez de l'huile sur le feu, vous voyez que les flammes augmentent. Le vent peut éteindre le feu, mais le vent peut également augmenter la puissance du feu. Amen. Le vent de l'esprit. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle du mot roi, qui signifie souffle. Amen. Qui signifie souffle en hébreu. L'esprit est comme un souffle. La Bible nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va, où il va. Il en sera de même dans ta vie. Lorsque tu es en feu pour Dieu et que l'onction vient, que le vent du Saint-Esprit vient, le feu grandit. Amen. Le feu se propage davantage. Parfois, le feu ne prend pas dans les forêts parce qu'il n'y a pas de point de départ et qu'il n'y a pas de flamme. Si tu veux propager le feu de Dieu autour de toi, tu dois d'abord t'assurer d'être en feu. Amen. Tu dois t'assurer d'être en feu. Alléluia. On va lire maintenant 1 Timothée. On va lire 1 Timothée et on va justement parler de ça maintenant. Parler comment propager le feu lorsque la forêt prend feu. Très bien. Nous allons donner des conseils pour être en feu et pour propager ce feu-là. Amen. My God. Laissez-moi prendre 1 Timothée. 1 Timothée, amen. J'y suis, très bien. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 6. Ok. La prière pour tous les hommes. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour, ok, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Très bien. Ce que vous devez comprendre, c'est que notre responsabilité en tant que chrétien est de faire en sorte que le feu soit propagé. Comment est-ce que le feu se propage? Comment est-ce que le feu prend? Par la prière. La Bible nous dit quoi? Que lorsque le feu du Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils étaient en train de prier avec ferveur, avec insistance. Le fait que tu pries va faire en sorte que tu sois connecté à Dieu. Si tu es connecté à Dieu, tu es connecté au feu de Dieu. Amen. En étant connecté à l'Esprit de Dieu, tu es en contact avec le feu, donc tu es en train de faire grandir le feu qui est en toi. Amen. La prière. Vous devez prier. J'ai réalisé, il y a quelques jours de cela, que la Bible nous dit « Priez sans cesse afin que vous soyez toujours joyeux, n'est-ce pas ?» Mais la Bible nous dit quoi ? La Bible nous dit quelques versets plus loin, de ne pas perdre l'esprit. Ah, on va retrouver ce passage-là. Amen. On va retrouver ce passage-là. Je vais vous le retrouver. Amen. Parce que ça, c'est de l'improvisation. Ok, je vais faire vite. Mais là, je suis en pleine impro. Enfin, j'ai préparé mon message. Amen.
Mais ce verset-là, c'est de l'impro. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Amen. Je l'avais pas noté, en fait. OK. 1 Thessaloniciens 5, 17. Très bien. Je pense que vous connaissez tous ce passage-là. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On connaît tous ce passage-là qui dit prier sans cesse, on doit tout le temps prier. Amen, c'est bien. Mais plus tu vas prier, plus tu vas être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier sans cesse. Parce que plus tu es connecté à l'Esprit de Dieu, plus, j'ai envie de dire, c'est rattaché à ton bonheur et à la joie dans ta vie. Parce que la Bible nous dit au verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Mais pour être toujours joyeux, il faut prier sans cesse. Il faut constamment être connecté à l'Esprit de Dieu. En fait, quand tu es constamment en prière, connecté à l'Esprit de Dieu, on aura même du mal à voler ta joie. Même quand tu auras des mauvaises nouvelles, tu resteras content. Tu auras du mal à être déçu. Amen. Et je vous assure que ça fait du bien. Beaucoup n'arrivent pas à dormir parce qu'ils s'inquiètent et sont stressés. Quand tu pries, tu n'es pas stressé. Le stress part. C'est pour ça que la prière a son importance. Amen. Très bien, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. On associe souvent le verset 16 et le verset 17, mais on oublie le verset 19. La Bible nous dit quoi ? N'éteignez pas l'esprit. Ah. Le feu peut s'éteindre. Amen. Le feu peut s'éteindre. Les pompiers viennent pour éteindre le feu. Pour que ton feu ne s'éteigne jamais, tu dois prier sans cesse. Tu dois constamment être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. Pour que le feu dans ta vie ne s'éteigne pas, il faut que tu pries. Que tu sois perpétuellement, constamment connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Notre responsabilité est de faire comme Jésus et de pouvoir donner notre vie pour les autres personnes qui ne sont pas encore sauvées. Amen. Très bien. L'église, c'est le lieu où nous formons les chrétiens, n'est-ce pas ? Mais c'est également le lieu où le feu se propage. Lorsque les chrétiens sont rassemblés ensemble et qu'ils prient, le feu se propage. L'onction se propage. Amen. C'est important d'être régulier dans une église locale. Amen. Soyez régulier dans vos églises locales. Et si vous n'avez pas d'église, je vais vous inviter dans mon église, l'église ACER, l'Assemblée chrétienne, pour l'évangélisation et le réveil. Amen. Et on est en train d'ouvrir des églises partout dans le monde entier. D'ailleurs, vous-même qui me regardez, vous êtes certainement au Canada. Ok, je salue tous les Canadiens, je salue tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Américains qui sont en train de me regarder actuellement. Parce que ce live est pour vous. Ok ? Il est pour vous. Amen. Ok, gloire à Dieu. Très bien. Plus vous allez être en contact avec le feu, plus le feu va grandir en vous. Amen. Très bien. Nous allons maintenant donner quelques conseils pour propager le feu. Ok ? Nous allons donner quelques conseils pour propager le feu. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est prier pour que Dieu allume le feu de l'évangélisation dans votre cœur. Et premièrement, avant que le feu de l'évangélisation soit allumé dans votre cœur, plus vous allez prier, plus vous allez être en feu. Plus vous allez être en feu, plus le feu de l'évangélisation sera allumé dans votre cœur. Amen. Le feu est le symbole, encore une fois, comme nous l'avons dit, de l'évangélisation. Et nous avons une responsabilité en tant que chrétiens de propager l'évangile, de permettre à toute l'humanité, à toute la création, d'entendre parler de Jésus. Amen. Et si tu es en feu, la propagation se fera plus facilement. Amen. La propagation se fera plus facilement. Ok ? Et toutes les personnes qui seront en contact avec toi vont être touché par ce feu-là qui t'anime. Amen. Par le feu de Dieu. Ok ? Pour que Dieu sauve, il faut que quelqu'un prêche. Beaucoup d'entre nous, nous voulons communiquer le feu, mais nous ne voulons pas être en contact avec les gens. C'est une erreur. Pour que les gens entendent parler du feu, pour que les gens soient touchés par le feu, tu dois être en contact avec eux. Amen. Ne fais pas comme les moines cisterciens qui se coupent du monde entier et qui s'enferment dans des monastères. Tu peux le faire pour un temps, mais le but du feu de Dieu dans ta vie, c'est que toutes les personnes avec qui tu es en contact, avec qui tu seras en contact, ces personnes-là soient touchées par ce feu-là. Amen. Alléluia. Deuxième clé que je pourrais vous donner, c'est prier pour le courage et la hardiesse. Amen. Le nôtre est celui des ouvriers, de toutes les personnes qui sont en feu.
Quelqu'un qui est en feu ne connaît pas la timidité. Il est rempli d'audace, de courage et de hardiesse. Il faut que nous prions pour la puissance du feu des chrétiens. Il faut que nous prions pour cette puissance-là, pour que nous la manifestions autour de nous. Amen. Écoutez-moi bien, si vous n'évangélisez pas, c'est que vous ne croyez pas que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Parce que si tu crois que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, tu vas tout faire pour que tous les hommes soient sauvés. Parce que tu te soucies de la volonté de Dieu, et parce que tu te soucies de la volonté de Dieu, tu veux faire ce que Dieu veut. Amen. Et si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tu vas tout faire pour que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et en étant en feu, tu propages le feu qui est en toi. Alléluia. Nous allons maintenant... Non, on ne va pas lire ce verset. On va continuer. Amen. Nous devons refuser l'esprit de timidité. La timidité est quelque chose qui se refuse. Imaginez qu'un feu dise « Non, je suis timide, je n'ai pas envie d'aller embraser l'arbre qui est à côté de moi. » Le feu ne dit pas ça. Le feu, lorsqu'il est allumé dans une forêt, les arbres qui sont en contact les uns des autres prennent feu. Amen. Et comme nous avons dit, le vent, okay, le vent du Saint-Esprit, l'onction, l'huile, attise le feu, va faire grandir le feu. Amen. Tu dois refuser la timidité. Le feu n'est pas timide. Ok? Amen. Et c'est une décision à prendre. Très bien. Nous allons maintenant parler rapidement aussi de la différence entre prier avec l'esprit et prier dans l'esprit. Amen. En tant que chrétien, nous devons prier en étant conduits par l'esprit et prier dans l'esprit. La Bible nous dit de nous entretenir par des hymnes, des psaumes et des cantiques. Le chant, la louange va faire fuir la peur et la crainte dans ta vie. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, n'est-ce pas? Si Dieu est un feu dévorant et qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, ça signifie que là où il y a la louange, il y a le feu. Amen. Là où il y a la louange, là où il y a des louanges, des hymnes, des cantiques, c'est là où Dieu se trouve, c'est là où il y a le feu. Amen. Le fait de t'entretenir par des hymnes et des cantiques va faire en sorte que le feu, tu puisses le garder, que tu puisses l'entretenir. Amen. Très bien. Troisième clé, il faut prier en ciblant les personnes que nous souhaitons évangéliser. En d'autres termes, il faut que tu pries pour cibler les personnes à qui tu dois communiquer le feu. Amen. Et tu dois cibler les personnes qui sont les plus proches de toi. Mais tu peux également cibler les personnes qui sont autour. Écoutez-moi bien, lorsqu'un feu prend dans une forêt, l'arbre ne contourne pas certains arbres. Il embrase tout sur son passage. Le feu consume tout sur son passage. J'ai envie de dire, toutes les personnes qui sont en contact avec toi doivent être touchées par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Et parce que tu es en feu pour Dieu, ce feu se propage. Et ce feu va toucher toutes les personnes autour de toi. Écoutez-moi bien, même les personnes qui résistent, si ça doit leur prendre des années, ils seront touchés par le feu de Dieu parce qu'ils sont en contact avec toi. Je vais témoigner rapidement. Lorsque je suis devenu chrétien, il y a des années de cela. Amen. J'étais en feu pour Dieu, je le suis toujours, gloire à Dieu. Et en quelques mois seulement, mes amis, les membres de ma famille ont accepté le Seigneur. Amen. Et un feu s'est véritablement propagé dans ma famille. Mon frère, qui est proche de moi, a mis des années avant d'accepter Jésus. Mais écoutez-moi bien, un jour ou l'autre, tôt ou tard, il a fini par accepter Jésus. Parce que plus le feu va grandir en intensité, j'ai envie de dire, il n'y a aucun arbre qui ne peut résister au feu dans une forêt. Aucun arbre ne résiste au feu. Aucune personne de ta famille ne résistera à l'évangile. Amen. Mais il faut que tu fasses grandir en intensité le feu que tu as reçu. Amen. Vous devez prier en ciblant les personnes que vous souhaitez, à qui vous souhaitez communiquer le feu. Les personnes qui vous sont proches, même des inconnus. Amen. Des personnes que vous ne connaissez pas. Parce qu'écoutez-moi bien, tous les jours nous sommes en contact avec des gens, même que nous ne connaissons pas. Quand nous allons à la poste, nous rencontrons des personnes. Quand nous allons en course, nous rencontrons des personnes. Quand nous prenons les transports en commun, il y a des gens autour de nous. C'est des personnes qui ont besoin d'être touchées par le feu de Dieu. Amen. Et plus vous allez prier, plus ça va faire grandir la perspicacité prophétique que vous avez en vous. Amen. Et plus le feu va grandir. Donc vous devez continuer de prier pour la personne et insister, persévérer dans la prière. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le feu. Parce que vous êtes en train de préparer le terrain. Vous êtes en train de mettre de l'huile sur l'arbre avant que le feu vienne. Amen. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier pour vos proches et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Amen. Alléluia. Vous pouvez également demander au Saint-Esprit de vous conduire vers des personnes qui sont mûres à recevoir l'Évangile. Amen. Nous allons maintenant lire un dernier passage dans Actes 10.
Ok. Acte 10, acte chapitre 10, acte des apôtres chapitre 10, à partir du verset 1. Amen, acte 10. Et notre prière ce soir va être que le feu de Dieu puisse totalement embraser nos vies et embraser le continent, la nation dans laquelle nous sommes. Amen. Alléluia. L'évangile parvient aux païens. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. » Il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Ok ? Il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Et encore pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon. Se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé devant lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a quatre jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Très bien. On va lire la partie la plus importante. Soyez concentrés. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité,
Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. À la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Ce que j'aimerais dire par ce passage, c'est que la renommée de Pierre avait grandi. Mais pourquoi est-ce que la renommée de Pierre avait grandi ? Jésus est venu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il a apporté le Saint-Esprit, il a communiqué l'Esprit Saint aux disciples et on a vu que la promesse que Jésus leur avait faite, Jésus leur a donné une mission, celle de pouvoir aller par tout le monde et prêcher l'Évangile, combien même ces hommes étaient incrédules. Mais si Jésus avait confiance en eux, c'est parce que Jésus connaissait le Saint-Esprit. Et il savait que le Saint-Esprit était capable de rendre des hommes ordinaires en personnes extraordinaires. Alors qu'ils étaient assemblés dans la chambre haute, le brasier a commencé à prendre. Après cet événement, l'apôtre Pierre a commencé à prêcher l'Évangile. 3000 personnes ont accepté Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, et si nous avons lu ce passage, c'est parce que le feu va commencer là où le Saint-Esprit est. Si le Saint-Esprit est en toi, le feu a déjà commencé à se propager au travers de ta vie. Et j'aimerais dire à vous qui me regardez, chers Canadiens, chers Guadeloupéens, chers Martiniquais, que parce que vous êtes en feu pour le Seigneur va susciter des conversions au travers toute la Guadeloupe. Le Seigneur va susciter toutes des conversions au travers la Martinique ou au travers le Canada. Écoutez-moi bien, il est très tard ici, mais chez vous, il est tôt. Ou du moins, il est encore tard, c'est la soirée. Mais tout ça pour vous dire que le continent américain appartient à Jésus. La terre appartient à Jésus. Et notre responsabilité en tant que chrétien est de propager le feu que nous avons reçu. Amen. Et de propager ce feu-là. Amen. Nous allons maintenant prier, passer dans des temps de prière pour que le feu de Dieu puisse descendre puissamment dans nos vies et que le feu de Dieu puisse descendre dans la vie de toutes les personnes autour de nous. Nous allons prier pour que ce feu-là qui nous anime puisse permettre à tout le Canada, à toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique centrale, à toutes les Antilles d'être sauvées. Et que le feu puisse, comme dans un feu de forêt, permettre à ce que toutes les personnes du continent dans lequel nous nous trouvons d'être touchées par le feu de Dieu. Amen. Mais avant cela, j'aimerais chanter ce chant-là, qui dit tout l'honneur, toute la gloire à toi. Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Esprit, nous t'attendons, précieux Jésus, mon Sauveur. Saint-Esprit, nous attendons, Saint-Esprit, nous attendons pour ton feu. Tout l'honneur,
la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père. Nous attendons, précieux Jésus, notre Sauveur, Saint-Esprit. Nous attendons, Saint-Esprit. Nous attendons, pour ton feu. Pour ton feu. Alléluia, j'aimerais prier pour vous maintenant, chers internautes, et nous allons prier pour que le feu de Dieu puisse totalement embraser nos vies, pour que tout feu étranger puisse disparaître, et pour que le feu de Dieu puisse totalement envahir nos vies, et que le feu de Dieu qui nous anime puisse totalement toucher les personnes autour de nous. Commence à prier là où tu es. Alléluia, riba braza mande keteli abasa. Alléluia, Père, merci, je viens prier maintenant, afin que ton feu puisse être complet. Que ton feu, Seigneur Dieu, puisse toucher et puisse contaminer, puisse embraser toutes les personnes qui me regardent en direct au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce feu se propage au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci, parce que de la même manière que tu as baptisé les disciples dans le jour de la Pentecôte, lors de la chambre haute, tu les as baptisés de ton esprit et de ton feu. Je viens prier maintenant afin que le feu de Dieu puisse descendre dans leur vie, que tu puisses les baptiser de feu et d'esprit maintenant, au nom de Jésus. Je viens prier pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu le baptême de feu. Je déclare maintenant que le baptême de feu descende sur eux au nom de Jésus. Je déclare que le feu de l'Esprit vient embraser la pièce dans laquelle ils se trouvent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Saint-Esprit, merci, parce que des langues semblables à des langues de feu séparèrent les unes des autres, descendent sur eux maintenant, et le feu de Dieu vient les embraser. Le feu de Dieu vient embraser leur vie. Je déclare qu'un feu nouveau est allumé dans leur esprit maintenant, et que ce feu vient se propager et vient se propager dans tout le Canada, dans toute la Guadeloupe, dans toute la Martinique. Nous déclarons que les États-Unis appartiennent à Jésus. Nous déclarons que la Guadeloupe appartient à Jésus. Nous déclarons que la Martinique appartient à Jésus. Je viens de déclarer une croissance dans les Église, dans la mission du Canada, dans la mission de Montréal. Je viens de déclarer la croissance et le feu de Dieu dans la mission de Guadeloupe, chez RCR Martinique, là où il y a des personnes qui me regardent. Je déclare que le feu se propage dès cette semaine. Je viens de déclarer une croissance dans l'évangélisation, une croissance dans le nombre de convertis qui vont accepter Christ. Je prie maintenant pour le feu de Dieu, afin que le feu de Dieu puisse consumer en nous tous les désirs de la chair, tous les désirs du monde, que tout feu étranger puisse disparaître maintenant, au nom de Jésus. Et je déclare que le feu de Dieu vient toucher toutes ces personnes qui me regardent maintenant en direct. Je déclare qu'un feu est allumé. Et comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, merci parce que tu agis encore. Merci parce que tu viens agir dans leur vie. Je déclare maintenant que le parler en langue s'active dans leur vie. Je prie maintenant pour toutes ces personnes, afin qu'ils puissent recevoir ce merveilleux don. L'apôtre Paul disait, « Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. » Et l'apôtre Paul pouvait dire que le fait de parler en langue va activer la puissance en nous. Je déclare que cette puissance, ils l'ont reçue, et ils activent le parler en langue dans leur vie au nom de Jésus. Recevez maintenant le baptême du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Rikaza brasse ça, commence à parler en langue. Riba brasha mande keteli abrasse. Ora brasande. Ora brakayabo. Ore ba brassete. Ele brechete yaba. Ora brasamande. Ora brasaka. Je déclare que le feu de Dieu descend maintenant et vient délier leur langue afin qu'ils puissent être baptisés du Saint-Esprit, baptisés de feu au nom de Jésus. Le thème de ce live, Seigneur, c'est lorsque la forêt prend feu. Nous venons déclarer et prophétiser que les forêts de personnes autour de nous prennent feu. Nous déclarons que toutes les personnes autour de nous sont touchées par le feu de l'Esprit, par le feu de Dieu.
nous venons déclarer et prophétiser que tous les membres de nos familles, tous nos collègues de travail, t'accepteront dans leur vie, dans les prochaines semaines, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le feu qui nous anime se propage autour de nous. Ce feu-là qui est en nous touche toutes les personnes autour de nous et vient consumer tout amour du monde, vient consumer tout feu étranger, vient consumer la chair au nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu leur communiques ton feu. Ils sont en feu pour toi. Et je déclare que comme au jour de la Pentecôte, ton esprit est descendu et a totalement transformé les disciples. De la même manière que ton esprit est descendu et les a transformés, je déclare que ton esprit descend sur eux maintenant et change radicalement leur vie, transforme radicalement leur vie. Je viens prier pour toutes celles et ceux qui avaient du mal à avancer avec Dieu et je déclare un shift au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur parce que tu envoies ton feu, parce que ton feu est déjà là. Et je déclare que l'huile d'onction vient faire grandir ce feu que tu as déposé en nous, au nom de Jésus. Je déclare que les vents de l'Esprit viennent faire grandir ce feu-là qu'il y a au-dedans de nous. Et ce feu que nous avons reçu, nous le communiquons et nous le propageons. Nous allons jusqu'aux extrémités de la terre pour propager ce feu-là et prêcher l'Évangile. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Nous te rendons gloire et nous te rendons tout l'honneur. Je déclare que tu prends plaisir à propager le feu de l'Esprit au travers de nos actions et nos paroles, au travers de notre vie. Nous témoignons de la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Je prie pour tous les internautes afin que tu puisses les garder précieusement dans le creux de ta main. Saint-Esprit, nous t'honorons et nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons grâce pour ces moments. Je viens sceller tout ce qui a été libéré ce soir. Et je viens déclarer que ce feu qu'ils ont reçu, ils gardent ce feu-là. Et ils le font grandir. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ces moments. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Merci à tous d'avoir été là durant cette une heure et quelques, 1h30 ensemble durant cette émission. On se retrouvera très prochainement pour un autre live des Caraïbes, donc jeudi prochain à 2h du matin avec un autre orateur. N'hésitez pas à suivre toutes les émissions que nous avons. Pour rappel, demain vous pourrez trouver l'émission Push Me Up et vous avez également les Boss Ladies. Ok, donc je vous dis à très vite. C'était le frère Julien Fab. Je vous aime, vous m'aimez. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. God bless you.